special to me. You're something special to me. You're something special to me. Tout a commencé à l'hôtel Plaza, il y a 20 ans, au mois de juin. Deux mères avaient emmené leurs filles, Liv et Emma, au Palm Court pour prendre le thé. Cet après-midi-là, il y avait un mariage. Il y avait quelque chose de bleu, quelque chose d'emprunté et quelque chose de totalement magique. Et pour deux petites filles du New Jersey, c'était devenu un nouveau rêve. Un jour, elles trouveraient la personne qui resterait à leur côté, quoi qu'il arrive. Et une fois qu'elles l'auraient trouvée, elles aussi se marieraient en juin au Plaza. Merci. Et oui, monsieur le juge, je prendrai ce noble jeune homme pour époux. J'ai toujours su que mon mariage serait le jour le plus heureux de toute ma vie. Maintenant, je vais danser avec toi jusqu'à ce qu'on ait 6 bébés et une grande maison. Tu crois qu'ils acceptent les cochons d'Inde au Plaza? Ben, de toute façon, on va pas se marier avant qu'on ait au moins 16 ans. La prochaine fois, je pourrais faire la mariée. Emma, c'est toujours moi qui fais la mariée. C'est pas trop minable. On a eu des cocktails au caviar. Rouleur de cigares, le service se fait en gants blancs. Orchidée cymbidium, c'est l'ado. Excellent DJ. On reconnaît toutes les deux que c'est magnifique. Oui. Mais, tu crois que c'est l'œuvre de Marion Sinclair? Marion est une visionnaire. Mmh. Oh, mais si c'était mon mariage? Dis-le. On n'est pas en juin. Et c'est pas le Plaza. C'est le détail qui tue. Oui. Oh, enfin, te voilà. Oh, regarde. Ça va, toi? Un canard en glace. C'est pas génial? Tu sais ce qui serait génial? Rentrer à la maison, regarder vidéo à la demande toute la nuit. Je suis prévisible à ce point. Accorde-moi une dernière danse. Et je te donnerai ma part de gâteau si tu me laisses conduire. Très, très drôle. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais bien que je conduis toujours. Oh, salut les filles. Vous êtes prêtes à attraper ce bouquin? Faut que j'aille. Je suis si heureuse que vous ayez toutes pleurées. On y va, Liv, c'est toujours drôle. Oui, elles prennent tout ça tellement au sérieux. Mes amis du travail, enfin amis, mes copines de fac. Oh, je le crois pas, Emma. Est-ce que c'est la même robe qu'à la soirée Delta Gamma, une bière contre la misère, il y a des milliers de millions d'années? Oui. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que ça, c'est une valeur sûre. Plus tu la portes, et mieux tu la portes. Oh, ça, c'est mignon. Et loyal. Deux filles qui serrent les coudes, ça fait plaisir à voir. Continuez comme ça. Bon, alors, vous êtes prêtes à attraper ça? Pensez-y très fort. Désirez-le. Attrapez-le. Vous y êtes? À la une, à la deux, à la trois. J'aurais décelé les signes si j'avais été là. Ils y sont tous. Regardez les yeux d'Emma. Ce sont ceux d'un chasseur. Et les mains de Liv. Vous aimeriez les sentir se serrer autour de votre gorge? Non que l'une des deux puisse s'imaginer faisant du mal à l'autre à cet instant précis. Pourquoi le ferait-elle? Elles sont inséparables depuis 20 ans. C'est bon, ça va. Ralentis un peu. Pourquoi on n'a pas droit aux iPods? On n'a pas le droit aux iPods parce que les iPods sont pour les gens qui peuvent pas être seuls avec leurs pensées. Je fais littéralement des cercles autour de toi, t'en es conscient? Tu sais à combien de trucs je peux penser à la fois? Tu sais que je suis... Tu n'apprécies pas ma conversation, c'est ce que tu dis? Ça me fait mal, ça me fait très mal, Liv. Faut que je rentre. Très bien. Je t'adore. Et bonne journée, tu m'appelles pour me raconter ta réunion. Regarde cette marche sportive. Wouh! Bonjour, vous avez eu les modifications du dossier? Lu et souligné dans le taxi. Parfait. Sac. Oh, on dirait que toute la ville est couverte de poussière. C'est une approche offensive qui exploite les faiblesses du dossier de notre défendeur. Et je suis sûre que toutes nos revendications seront acceptées, surtout si nous passons par le juge Givens. Merci, Liv. Notre meilleur élément, Monsieur Simmons. Peut-être votre approche est-elle trop agressive. C'est vrai, si nous les pilonnons, comme vous le suggérez, ils ne seront pas d'humeur à négocier. Écoutez, Monsieur Simmons, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Tout ce que je vous demande, c'est d'avouer à quel point vous avez envie de gagner. Parce qu'on ne va pas négocier. Vous avez raison, elle est parfaite. Oh, mademoiselle Allen!
Bonjour, Robert, ça va? Je crois que Mademoiselle Delgado vous cherche. Ah oui? Tu sais où elle est? Elle est dans sa classe. Dans sa... Ah, Emma, te voilà. Deb, salut. Eh ouais, c'est pas ravissant. Chaque jour, je remercie le ciel d'avoir un corps pareil. Et je suis tellement en retard que Non, écoute, il faut que tu me dépannes. Tu sais, l'équipe de débat, oui. Il est hors de question que je les escorte à la finale. Franchement, des mômes qui arrêtent pas de parler de leurs problèmes, c'est... Il faut que tu me remplaces. Oui, Deb, mais je te remplace déjà pour l'accompagnement au quart, et tes pom-pom girls, et tes surveillances de retenue. Et tu es responsable de l'équipe de débat, et je ne crois pas que je devrais continuer. Je fais tellement de choses. J'aimerais arriver à faire que le mini-minimum. Je t'admire, t'y arrives, toi. Merci. Bref, bon, écoute, voilà comment on va régler ça. Je vais me charger de l'équipe de débat. Ah, très bien. Si tu prends mes surveillances de couloir du jeudi pour le restant de l'année, d'accord? Ça oui, m'a l'air plus ça, équitable non. Comme ça. Voilà, mais tu me dois un service, hein. Sortez du couloir, les enfants. Tu sais pourquoi elle fait ça? T'es la meilleure enseignante de l'école. Elle essaie de te submerger pour que tu craques sous la pression. Le primaire, c'est la jungle. Je sais pas, je la trouve assez triste, en fait. Elle a dû divorcer au moins 3 fois, déjà. Elle est très en avance sur nous, où sont nos divorces? Hey, il faudrait d'abord que je me marie. Oh, je hais Daniel. Oh, Kevin, je suis en situation de crise. C'est quoi ta crise? 50 pour... Je n'ai pas envie de te parler. Ah d'accord, bah merci de me mettre au courant. Tu vois, je t'avais dit qu'il t'irait super bien. Il est pas trop moulant? Non, non, oh, pas du tout. Mais ça, je t'assure, Emma, ça, c'est pas ta couleur. Tu piges? Sérieux? Ah bah tiens, et c'est ça. Parce que, bon, t'as qu'à le prendre. Ah il tombe pas bien sur moi, de toute façon. Bien sûr qu'il tombe pas bien sur toi. C'est ma taille et... C'est neuf. C'est le chemisier Dolce dont je t'ai parlé la semaine dernière. Liv, hey, je peux pas... Hé, hey, je l'ai trouvé en solde. On m'a quasiment donné de l'argent. Liv, c'est beaucoup trop. Emma, dis juste merci. Juste... Merci, c'est une merveille, je l'adore. Bon, alors ça, vieux truc d'Emma, va falloir s'en débarrasser à un moment. T'es parti il y a au moins 100 ans. Alors, Daniel, pull, cardigan, tu veux essayer? Ah ouais, je veux bien. Une boîte de chez Tiffany. Tu es fiancée. Tu es fiancée. Oh mon Dieu. Non, je la vois. Qu'est-ce que tu fais? Non, non. Non, Liv. C'est joli, Liv. Tu peux pas m'en empêcher. Arrête. Je suis désolée. Mais il faut qu'il voit ton visage quand tu la découvriras. T'as raison. Toi, tu penses toujours aux autres, Emma. Moi, ça me vient jamais à l'esprit. Jamais. Enfin, si, parfois. Je suis vraiment heureuse pour toi. Promets-moi que tu le diras à personne tant qu'il aura pas fait cette demande. Mais arrête, je ferai jamais ça. Ça voudrait être dingue. Je suis fiancée. On peut avoir 4 tequila? Oh non. Non. Pas pour moi. Juste ce qu'il me faut. Acapulco 2006. Emma et Fletcher sont séparés. Je ne parle plus jamais de ce week-end-là. Je me sentais tellement seule. J'étais perdue. J'ai très très soif. Je t'en prie, Miguel. Arrêtez. On n'en parle plus. Bon, un toast. À Liv. Félicitations à une amie étonnante et condoléances à Emma, la demoiselle d'honneur de Liv. Elle sera la mariée la plus cauchemardesque du monde. C'est mon fardeau et je le porterai. Ne fais pas, je te rendrai l'appareil très bientôt. Qui c'est? Santé. Santé. Bon alors, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? Nate! Je vais me marier. Tu déconnes? Non. Oh, c'est dingue. Ma sœur va se marier. Où est le futur époux? Oh, il n'est pas ici. Bah, en fait, tu m'as pas encore posé la question. Ah. Un toast à Daniel, qui dans son monde à lui... Travaille tard ce soir, mais qui dans le monde de Liv vient de faire sa demande. Dieu le bénisse de vouloir passer sa vie avec ma sœur dans le vrai monde. À Liv, on est contente pour toi. C'est génial. C'est un sacré vénard. Le jour le plus important dans la vie d'une fille. Je reviens tout de suite. Mère, faut que j'y aille. J'y vais.
Bon, ben, elles m'auront pas vu finir le lycée. Ni la fac de droit, ni lu le premier article de Nate dans New York Magazine. Et ça non plus, on le partagera pas. J'aimerais que tes parents soient là, moi aussi. C'est pas grave, ça va aller. Ça va. Liv, t'es humaine, t'es pas obligée d'être un modèle d'équilibre à chaque instant de chaque journée. Nous autres, anciennes grosses, on est faites d'acier. Et d'aspartame, on survit à tout. Bah, premièrement, t'étais pas grosse. Mais oui, t'es une survivante. Merci, Emma. Je t'en prie, Liv. Tu vas être une demoiselle d'honneur géniale. C'est exact. Par quoi on commence? Par quoi? Je me disais que ça pourrait être une bonne chose que quelqu'un te fasse sa demande. Je sais, c'est dingue. Tu perds pas de vue les détails. Ouais, t'as remarqué? Je suis comme ça. Oh. Hé, hey, Poussin. Je crois qu'ils ont oublié les fortune cookies. Non, non. Les ai là. Ah, super. Voilà. C'est bon. T'as raté le début. Et celui-là doit dégager. Désolé, je sais que tu l'aimes. Mais c'est un vrai castrat. Tu sais, Fletch, un castrat, ça existe vraiment. C'est pas un mot qu'on utilise pour insulter les gens. Oh, d'accord, castratrice. Ah, celui-là, c'est le mien. Tu veux bien? Tu serais prêt à te battre pour un fortune cookie? Oui. Le mien, c'est très celui bien, droite. Très bien, c'est bon, ça me va. Mais si ton dicton est meilleur que le mien, je te le reprendrai, c'est tout. Ça m'étonnerait. Bon, t'es prêt? À la une. Deux. Trois. J'ai beaucoup pensé à l'endroit où j'allais faire ma demande. Et je veux que ce soit ici. Ici, chez nous. Et si arrivé à 99 ans, on continue à faire la même chose, chez nous, soirée télé, dîner chinois, bah, moi, ça m'ira. Alors, Emma Allen, veux-tu m'épouser? Oui. C'est rien passé ce soir, mais je suis pas inquiète parce que je suis sûre que Daniel a prévu que je suis fiancée. Fletcher m'a fait sa demande il y a 2 minutes. Je suis fiancée. Couleur? Transparent. Taille? Brillant. Pureté? Très légères inclusions. Cara? Presque, peut-être à peine en dessous. Bien au-delà de ses moyens, je peux te le dire. Oh, fiancée? Waouh! Liv est fiancée, tu es fiancée, c'est... Je te rappelle plus tard. Comment ça, Emma est fiancée? Non, non, bah non, bien sûr que je suis heureuse, pourquoi je serais pas heureuse? Tout va pour le mieux, ouais. Non, 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 c'est pas la peine que tu viennes, ça va, je vais rien manger. Et j'ai le cadeau de mariage, parfait. Tu vas aller vivre avec Emma et Fletcher. Tu mérites énormément. J'en reviens pas. Ça fait tellement bizarre de l'avoir à mon doigt. C'est fou, regarde, il brille même sous la pluie. C'est aveuglant. Ah, alors je pensais demander à DJ Humble de mixer à ma fête. En même temps, je sais pas, c'est trop, non? Oh, vas-y, demande. Je suis pas fan des grands orchestres, de toute façon. Comme tu veux, c'est ton mariage. Ah, ma mère peut pas venir avant le mariage. Elle a trop de travail, mais... On s'en fiche, je tais-toi. Oui, j'ai gonflé un bloc. Alors, tu viendrais la voir avec moi? Pardon, quoi? Pour qui? Marion Sinclair. T'as pas écouté? J'ai rendez-vous avec elle vendredi. Et t'as déjà pris rendez-vous? Tu t'es fiancée hier soir? Je sais, mais dans les faits, je suis déjà en retard. C'est vrai, il faut s'y prendre tôt si tu veux le plaza. Le plaza? Oh, j'y crois pas. Bah, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es en colère? Je suis pas en colère! On fait pas contre toi! Je comprends pas pourquoi Daniel met tout ce temps. Ah oui, chérie, excuse-moi. J'aurais jamais dû. On n'est pas obligé d'en parler. Laisse tomber. T'inquiète pas pour moi! Ça n'a aucune importance. Inquiète-toi pour Daniel! Mais... Il va mourir bientôt! Mais quand je t'appelle! Qu'est-ce que tu fais? Liv, tu le laisses faire ça à sa façon! Excusez-moi! 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 Trésor! Bon, est-ce que tu veux m'épouser, oui ou non? Ouais. Je veux bien. Dis-moi, c'est ce que tu veux? Parce que moi, c'est ce que je veux. Je veux savoir si tu veux m'épouser. T'as envie de te marier? Chérie, est-ce qu'on peut en parler plus tard? Oh, t'as pas changé d'avis? J'ai vu la boîte Tiffany sur l'étagère! Pas là! Oh, c'est pas vrai. C'est pas une bague.
Si c'est un porte-clé, je me suicide et je te suicide avec moi après. Oh. Est-ce que tu pourrais me le dire ici et maintenant? Non, dis-le-moi, c'est quelque chose que t'as envie de faire. T'aurais envie de te marier. Tu veux que je te dise? J'ai jamais vu une fille aussi insupportable. Compliquée. Autoritaire. Sublime. Intelligente et sexy de toute ma vie et... Si tu avais seulement attendu jusqu'à ce soir... Oh! Eh ben, tu serais pas la femme dont je suis tombé amoureux parce qu'elle ne sait pas attendre. Tu peux me tenir ça une seconde? Oui. Merci. Ce qui me va, tant que j'ai le droit de passer le restant de mes jours à essayer de la rattraper. Liv, veux-tu m'épouser? C'est une demande? Mmh. Vraiment? Oh, chérie, je ne l'attendais pas du tout. Liv, la ferme, oui ou non? Oui, oui, oui. Bah. Oui. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu. J'adore la journée porte ouverte aux copines sexy. C'est clair. Et c'est ce qui amena ces deux jeunes futurs mariés à mon bureau cet après-midi-là. Non, 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 on pleure pas, pas maintenant. Allez, on y va. Oui, ça va aller. Je suis Marion Sinclair, la wedding planner la plus recherchée de Manhattan. On est le rendez-vous 13h de Marion. Mm-hmm. On va se marier toutes les deux et on est témoins l'une de l'autre. Sans blague, c'est absolument dingue. Mademoiselle Sinclair va vous recevoir. Merci. Bonjour, bonjour mademoiselle Turner. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Voici Emma Allen. C'est un honneur. Inséparable depuis très longtemps. Je n'en reviens pas d'être dans votre... Ans et... Assez. Parfait. D'accord. Un mariage marque le premier jour du reste de votre vie. Vous étiez morte jusqu'à ce jour. En aviez-vous conscience? En ce moment même, vous êtes morte. Je comprends. Angela, par exemple, va mourir morte. Bien, j'ai lu la petite note qu'elle a rédigée sur vous. Un mariage en juin, au Plaza. Alors, il n'y a pas la moindre chance que ça marche? Si vous étiez allé ailleurs, pas la moindre. Mais vous vous êtes adressé à moi. Vous aviez rêvé d'une bonne fée, vous l'avez trouvée. Ouh, une bonne fée. Il se trouve qu'il me reste 3 possibilités au Plaza en juin. 2 le premier samedi et... Une, le dernier samedi. Cela nous fait le 6 et le 27. Oh, mes parents se sont mariés le 6, ça pouvait pas mieux tomber. Mais ça alors. Eh bien, dans ce cas, je prends le 27. Bien. Vous souhaitez en parler avec vos futurs époux? Non. Très bien, alors il suffit de signer et de dater ces documents. C'est assez fabuleux d'en être arrivé là. Bien, il va falloir que nous parlions thème. Notre romantique sur minimalisme élégant. Avec... un zeste de branchitude. Très impressionnant. Vraiment? Eh bien, on vous adore. On vous admire. Ça veut dire... Ça veut votre 13h15 est là, mademoiselle Sinclair. Merci. Merci infiniment. Venez par ici, j'ai des brochures pour vous sur mon bureau. Oh! De marier à marier, il n'y a plus qu'une possibilité en juin au Plaza. Monsieur, je vous remercie beaucoup. Mademoiselle Sinclair, il faut que je vous dise, je ne rêve que de vous. C'est un honneur et un privilège. Oui. Regardez-les, si parfaitement inconscientes des répercussions de la date de leur mariage. Voyez-vous, à ce moment-là, juin était à peine 3 mois et demi plus tard. Une microseconde en unité de temps mariage. Ceinture à basque. Corselet en dentelle, 10 volants de tulle. Oh, tu devrais l'essayer.
Non, 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 je porte la robe de ma mère. Emma, t'es sûre? La robe de ta mère est une merveille, mais c'est ton rêve à toi ou le sien? C'est le mien. C'est le mien, ça sera une surprise. Mais c'est ta journée. Envoie-lui plutôt une énorme boîte de chocolat pour la fête des mères et prends la robe de tes rêves. Elle est vraiment très belle. Et j'adore les robes bustiers. Moi aussi. J'ai l'impression de tromper la robe de ma mère. Je peux pas, je peux pas. Je suis en accord avec moi-même, ma décision est prise, je vais la remettre en place. Je la remets. Bien. Bon. Mais bien sûr, si toi tu l'aimes, tu devrais l'essayer. Non. Tu l'as vu la première, je t'en prie. C'est une très mauvaise raison. On va essayer celle-là. Je crois que je vais plutôt... Mais bien sûr. L'essayer. Elle est divine. Elle est parfaite. Eh oui. Non. Je devrais peut-être en chercher une autre. Tu crois qu'on peut trouver mieux qu'une Vera Wang? Autant chercher quelque chose qui serait meilleur que du chocolat. Liv, prends cette robe. Mais si tu changes d'avis... Soyez très vigilante quant aux prises de poids prénuptiales. On ne retouche pas une Vera pour vous, on vous retouche pour une Vera. Prendre du poids, c'est ça. Et puis quoi encore? Que moi, je me laisse aller. Vous voyez ses yeux? Vous savez ce qu'ils disent? Volonté. C'est clair? Enfin, lentille de contact et volonté. Vous savez quoi? Je la prends. Parfait! Je vais vous rechercher du champagne. Marion. Une terrible erreur a été commise. Une erreur qui, je vous le certifie, ne s'est jamais produite dans la maison Sinclair. Vos mariages ont été planifiés le même jour. Vous pouvez répéter? J'ai pas compris. Vos mariages ont été planifiés le même jour. Putain de... Vous êtes dingue! Le plaza est le rêve de toute notre vie! Angela a confondu les dates. Vous êtes à présent programmées toutes les deux pour le 6 juin et l'autre mariée pour le 27 juin. La prochaine date libre au plaza est le 15 juin. Parfait, je la prends! Le 15 juin dans 3 ans. Ça n'est pas... J'arrive pas à comprendre. Non, attends, ça n'est pas un problème parce que je vais négocier, d'accord? C'est mon métier, négocier. Je vais dire à l'autre marié de changer de date avec toi. Croyez-moi, personne n'a jamais dit non à cette fille-là. Oui, eh bien, notre clause de confidentialité stipule que je ne peux pas vous donner son nom. Donc, laquelle de vous deux souhaite choisir un lieu différent? Bon ben, j'y vais maintenant, mademoiselle Sinclair. Petit conseil avisé, très cher, qui vous sera extrêmement utile. Ne vous servez surtout pas de moi comme référence. Coucou Angela. Dis-nous juste qui est l'autre marié. Et personne ne souffrira. Tiens. Bonjour Stacy. Comment ça et va? Et moi, Liv, vous avez perdu du poids. Vous voulez me faire changer la date de mon mariage? Ce serait parfait. Oui. Non. Écoutez, vous prenez le 6 et vous me donnez le 27. Et elle, elle sera votre voisine de mariage. Je suis super marrante. Non, sérieusement. Ne me touchez pas. On va parler business. Chaque mariage a son prix, chérie. Quel est le tien? Vous ne m'achèterez pas. Je vous le redis. Non, 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 non. Une bonne fois pour toutes, non. Bonne chance, mesdames. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous ne sortirez pas tant que vous n'aurez pas changé votre... Ah! C'est une folle, ça va pas! Changez votre date! Ah, mais c'est vous, la plus folle! Quittez! Vous voulez pas que je vous ai... Mais vous n'avez pas vous besoin de serrer le bras si fort! C'est ça. Oh. Et bonne journée! Ouais, tu parles. Tu sais qu'on peut les attaquer. On peut les attaquer. Tu es juriste, on les attaque. On attaque le plaza, on attaque Pourquoi Marion, on attaque... À quoi ça nous mènerait? Non, personne ne peut arranger ça. Non, ça dépend de nous. Ce qu'il y a, c'est que je veux que tu sois à mon mariage. Et que quoi qu'on fasse, au bout du compte, l'une de nous va devoir se marier à une autre date. Absolument. Oui, parce que bien sûr, moi je veux que tu sois à mon mariage aussi. Si on ne trouve aucune autre façon d'arranger les choses, l'une de nous devra faire preuve de souplesse. Oui, l'une de nous va être obligée de changer de lieu. Oui, l'une de nous pourrait le faire. Probablement pas celle de nous qui économise depuis une décennie parce qu'elle gagne une misère comparée à l'autre de nous, mais... C'est évident. Enfin, ce serait évident si l'autre de nous ne mourrait pas autant d'envie de se marier au plaza, parce que le plaza représente le seul souvenir de bonheur qu'elle a gardé de son enfance, alors... Oups, c'est... C'est vrai. L'une de nous va devoir déplacer sa date. Ouais, va falloir.
Et en attendant qu'elle se décide, mieux vaut ne pas faire de projet concret. Entendu. On a un peu de temps avant de tout lancer, donc ne faisons rien. Oui. Jusqu'à ce que l'une de nous déplace sa date. D'accord, alors... on en reparle. L'une de nous devrait... appeler l'autre. L'une de nous ne m'a pas encore appelée, mais vous savez quoi? Elle va déplacer sa date. C'est toujours elle qui cédait, même quand on était petit, tu te souviens? Ouais, elle avait pas l'air si prête que ça à céder. Bah ouais, j'ai appelé Fletcher et c'est elle qui a répondu. Je le vois demain pour mes impôts. Tu peux pas faire copain-copain avec eux. Pas en ce moment. Et puis Daniel peut s'en charger, il est dans la finance. Dans les fonds alternatifs, ma puce. Et puis j'y connais rien, moi, en déclaration d'impôts. Bah arrête, écoute, tu fais Fletcher est mon contact depuis 6 ans, d'accord? Je passe par lui. Tu deviens ridicule. Faites un double mariage. On est quoi, des jumelles de 65 ans? Ma puce, un double mariage. Un double mariage, mais c'est une excellente idée. Ça ferait une super fête. Oui, ben, non. J'ai tout partagé de ma vie avec Liv. J'aimerais avoir mon jour à moi rien qu'une fois. Ouais, je sais, mon cœur. C'est tout ce que t'as. Il y a toutes les factures d'essence. Je sais pas, tout est dans la boîte à chaussures. C'est mon rêve aussi de me marier au Plaza. J'économise depuis que j'ai 16 ans. Il va me falloir encore quelques jours pour lâcher prise. Je trouverai un autre rêve. Les raisons de Liv sont meilleures que les miennes. C'est comme le jeu à la télé, avec le jury d'évaluation. Liv serait la méchante. Oh, quelle horreur. Enfin, c'est une façon de parler. Mais toi, t'es la sympa. Même quand ils chantent faux, tu leur dis qu'ils sont bien habillés. C'est sympa, ça. Ouais. Mais tout le monde écoute toujours la méchante. En tout cas, moi, j'épouserai pas la méchante. Moi, j'épouserai la sympa. Ça, c'est joli. Décide-toi, moi, les deux me vont. Il me faut une demoiselle d'honneur, toi, tu t'en fiches. Hé, tu veux récupérer Emma, tu sais ce qu'il te reste à faire, et le plus vite sera le mieux, il faut donner une date aux invités. Exact, c'est pour ça que les faire-part sont si importants, mais... Tu t'en fiches, toi? Non, c'est pas que je m'en fiche. Ah oui, bah t'as qu'à répondre. Allô? Pendant que t'y es. Les hommes. Yo, Fletch. Non, rien d'important, on hésite sur la couleur des faire-part. On sera toujours demain? Ouais, absolument. Il y a des signes de progrès de ton côté? Est-ce que Liv s'adoucit? Pas du tout. Et il n'y a aucune chance qu'elle cède la première. Elles se sont pas parlé depuis une semaine. Autant dire un siècle pour des filles. Qu'est-ce qu'il y a dans le mariage qui rend les filles si cinglées? Oh, ça j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais le moment me paraît mal choisi pour montrer à ton mec que t'es cinglé. Tu vois ce que je veux dire? À leur place, j'éviterai. Ouais. Oh, attends, elle vient de rentrer. On se voit demain. Ouais. C'est moi. Coucou, chérie. Coucou. C'était comment, les pom-poms? Je vais les pom-poms. Je hais tout spécialement les ados pleines de peps qui n'arrêtent pas de marteler. Soyez agressif, soyez agressif. Il y a d'autres chemins à suivre que l'agressivité, tu crois pas? Je vais appeler Liv. Sérieux? Oui. Amy et Marissa nous préparent une fête commune et... ça serait bien que tout ça soit réglé d'ici là. Non? T'es sûre? Oui. Eh ben, t'as raison. Je viens de parler à Daniel. Appelle-la. Appelle-la, il s'occupe des faire-part, je crois. Quoi? Appelle-la. On doit connaître la date exacte pour envoyer ses faire-part. Oh. On avait dit qu'on attendait. Et... j'arrive pas à le croire. T'arrives pas à le croire? T'es sérieuse? C'est Liv. Elle pense toujours à elle en premier. Non, pas cette fois. Non. Je suis une mariée, moi aussi, c'est clair? Je passe en premier, moi aussi. Ah non, mais tu passes en premier pour moi, ça c'est sûr. Ma puce, qu'est-ce que tu fais? Attends, non. Ceci n'est pas un spam. Je me marie le 6 juin. T'es pas obligé de massacrer les touches. À l'hôtel Plaza. Soyez là. Bisous. Emma, carnet d'adresse, copie cachée, tout le monde. Oups, pas toi, Liv. Et envoyez. Urgence ce, saniste pas spam. Je me marie le 6 juin. Kaagia. Kaja? Emma. C'est quoi Kaja, Emma? Oh. Génial. Le mariage d'Emma sera plus beau que le nôtre. Glenn. Peut-être que leur vie de couple sera plus belle aussi. Pas pleine de solitude et de tristesse. J'espère que tu apprécies la position qu'Emmy et moi nous avons prise. On ne choisit pas de camp. On se détend.
On ne prendra aucune décision tant qu'on ne s'est pas mise d'accord. Waouh, tu le prends drôlement bien. Ouais. Comment voulez-vous que je le prenne? Parce que, sans choisir de camp, hein, il faut reconnaître que l'email d'invitation d'Emma était un peu ringard et un peu court. 6 juin au Plaza, smiley, point final. Il manque plus que des cœurs sur les points de i. Non, c'est vrai, ça ressemble à rien. Ah, t'es là. Ouais, je sais, ouais. C'est vrai. C'était vraiment ringard. C'est gentil d'être venu. C'est choquant. Salut, ça va, Eddie? Elisabeth, regarde ma bague. Emma? T'as envoyé tes faire part? Oui, je l'ai fait, c'est exact. Surprise. Alors, l'une de nous ne déplace pas sa date. Waouh. Tu me sidères, Liv, vraiment, je t'assure. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. T'es toujours partie du principe que tu le savais mieux que moi. Emma porte-ci, Emma dit ça, et ben... Emma commence à en avoir ras-le-bol. Crois pas que j'ai pas vu à quel point tu flippais parce que j'ai eu l'audace de me fiancer avant toi. Attends, premièrement, Daniel a acheté cette bague en décembre, d'accord? Alors, officiellement, j'étais la première. Lamentable. Deuxièmement... Lamentable. Les gens te font toujours faire des choses que t'as pas envie de faire. Emma, c'est à croire que t'as pas de volonté? Ah mais attends, c'est vrai. Tu n'as pas de volonté. C'est sûr, personne ne peut t'accuser d'être gentil, Liv. Tu as sauté sur la première date de juin que Marion proposait sans me demander mon avis. En tout cas, je suis pas terrifiée à l'idée de me retrouver seule au point de passer ma vie à faire plaisir à tout le monde. Emma, t'es une résignée. Tu veux dire que pour Fletcher, je suis résignée? Je pensais pas à Fletcher. C'est toi qui as pensé à lui toute seule. Tu déplaces ta date, Liv. C'est toi qui vas déplacer ta date, Emma. C'est trop tard. T'as perdu. Faut qu'il fasse gaffe, ton mariage. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que ton mariage devrait avoir la trouille en ce moment. Si j'étais ton mariage, je ne dormirais que d'un seul œil. Pourquoi tu gardes pas tes menaces pour Daniel? Après tout, c'est comme ça qu'il a fini par faire sa demande? C'est comme ça que j'ai fait. Ton mariage peut aller se faire foutre. Quoi? Mon mariage peut aller se faire foutre? Oui, qu'il aille se faire foutre! Ton mariage peut se faire... Je veux dire, le tien, eh ben... être... pas si... lamentable. Au revoir, Liv? Oui. Ton mariage va être énorme. Comme ton cul en terminale. C'est la guerre. h le samedi 6 juin, et voilà. Et voilà. Bien. Il va falloir qu'on vous trouve une autre demoiselle d'honneur, et vite. Vous allez passer plus de temps avec elle qu'avec le futur époux. Nos amis ne veulent pas prendre parti. Qui dit que ça doit être une amie? Ah non, non, pas seulement une demoiselle d'honneur. Si, oui, ma demoiselle d'honneur. Ma demoiselle d'honneur. Oui, on était si proches à la fac. Ce groupe d'études était d'enfer. Oh, chérie, tu es la meilleure amie de mon cousin par alliance. Bien sûr que t'es tout en haut de ma liste de demoiselles d'honneur, je t'assure. Carla, Kathleen? Erin, non, je te dis que je n'ai pas couché avec ce mec. Oh, ça va, c'est vrai, j'ai couché avec lui une fois. Deux fois. Mais qu'est-ce que ça peut faire? D'abord, ce mec était moche, c'était un mauvais coup. Non, sans blague. Vraiment, je l'ai jamais su. Deux enfants? Waouh, vous devez avoir de sacrément beaux gamins. Ben oui, dis-lui bonjour de ma part. En fait, je suis en train de passer dans un tunnel, je te rappellerai plus tard. Kevin? Oui? Je t'offre une promotion. Tu seras monsieur d'honneur. Est-ce que vous allez m'augmenter? Non, c'est juste un honneur. Faites le lire à votre voisin de table, ça c'est une très bonne idée. Parce que en le faisant lire à votre voisin de table... Oh merci mon Dieu. Bon, vous allez finir ça tout seul. Lisez-le tout seul, allez-y.
Alors, t'as trouvé mon petit mot? Oui. Est-ce que tu peux prendre mon accompagnement au car ce soir? Bien sûr. Deb? Ouais. Ouais. Je sais qu'on n'est pas vraiment amis, mais... Ah non? Alors pourquoi j'arrête pas de te rendre service? Tu ne me rends... Peu importe. Est-ce que tu aimerais être mademoiselle d'honneur? Est-ce que je pourrais choisir ma robe? J'ai tendance à attirer les regards, alors elle doit être éblouissante. Absolument. Enfin, bien sûr, j'aurais peut-être quelques suggestions, mais... Oh, en même temps, je suis tellement débordée, j'aurais besoin qu'on me donne un sacré coup. Mais la mariée, elle est là pourquoi? Pour faciliter la vie de la demoiselle d'honneur, enfin, tu penses? Dis-moi oui. Oh, très bien. Puisque tu me supplies. S'il te plaît. Je serai ta demoiselle d'honneur. Ça va être génial. Ça va être génial. Oh. Je peux vous faire une suggestion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Bourgogne-Pistougrain? C'est un vin rouge très sympa, très élégant. Eh bien, votre musique est toujours en suspens et je le regrette, mais DJ Humble n'est à présent plus disponible à cette date. Oh, mais il m'avait donné son accord, de principe? Oui, bien, l'une de mes autres mariées a surenchéré sur vous. Je ne peux pas vous dire qui c'est, bien sûr. Quelle pute! Pas vous! Non, une autre! Personne! Elle me fout les jetons! Tu ne penses pas que Liv... Moi aussi. Non, non, elle sait ce que ça représente pour moi. C'est trop cruel, c'est trop méchant, c'est trop... Trop dans son genre. J'ai trouvé, attends, tu m'avais pas dit qu'elle portait une Vera Wang? Si. J'ai lu qu'elle se portait très ajustée, et c'est une sorte d'ex-grosse vache. Non. Non, elle est... un peu. Oh. Ça c'est bon, excellent. De la crème au beurre, c'est de la crème au beurre. Il y en a. Est-ce que Ma a choisi son gâteau? Concentrons-nous sur notre propre travail. Donc, pour les fleurs, Floria vous a fait une offre. On ne peut pas avoir le même gâteau, c'est tout. Et moi, il faut que j'ai le gâteau à 7 étages, aux brisures de chocolat blanc, enrobé de pâte d'amande avec les perles et les fleurs en sucre. Eh bien, ne craignez rien. Emma a choisi un gâteau moins extravagant. D'ailleurs, elle dit toujours qu'elle n'a pas besoin d'impressionner ses amis en dépensant des sommes folles. Je vais dans mon bureau chercher mes références de sculpteurs sur glace. Faites. Oh merde. C'était dirigé contre moi. Emma trouve que j'en mets plein la vue. Oh. Je savais pas qu'elle m'en voulait de gagner autant, mais il faut croire que je me trompais. Non, vraiment, j'ai pas pris ça pour une... Marion se régale. Elle préfère Emma. Emma inspire toujours la sympathie. Je n'inspire jamais la sympathie. Faudrait peut-être pas trop en demander aux gens, quand même. Je m'inquiétais pour son gâteau. Elle a qu'à prendre un flan sur un millefeuille, elle est égale. Ça, c'est... C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Non. Des leçons de danse? Elle a l'esprit de compétition. Ils vont danser bien mieux que nous. Remontre-moi, Canary chanteur. Aurore? Canary? Ah, mais y a pas une couleur intermédiaire? Un canari brûlé, c'est ça? Un montage vidéo de leur vie? Sans rire! C'est forcément Fletcher. Ça va être genre... photo d'eux quand ils étaient bébés, genre Emma avec une seule dent et Fletcher dans son costume de super-héros au sacra! Je peux vous aider? Ouais, c'est un paquet pour Liv Lerner. C'est du chocolat. Montrez-moi ça. Ouais, j'adore. Liv, tu mérites ça et plus encore. Daniel n'est pas trop mignon. J'en mangerai qu'un. Merci. Rien qu'un. Elle était dans son bureau? Bah ouais. Oh. Et ça n'est pas possible de les récupérer? Non, 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 elle a déjà mangé la moitié de la boîte. C'est 45 dollars. Oui, très bien. C'est ce qui était convenu. Mais je tiens à vous dire que si vous étiez au courant de toute l'histoire, vous seriez de mon côté. Et le pourboire? Oh, je croyais qu'il était compris. Mais de toute façon, je vais vous en donner un parce que c'est moi, la sympa. Vous savez, je me disais, si vous voulez vraiment lui gâcher sa première danse, ça peut se faire. Dis-moi tout. Je suis pas sûr, ma puce, des cours de danse. Écoute, on sait déjà danser.
C'est un slow, c'est ce qu'on faisait à la fac. C'est une valse, c'est un peu plus compliqué que se serrer en tournant sur place. En plus, Marion dit qu'une première danse présente au monde le style de notre couple. Ah là, évidemment, je me sens très concernée par le style de notre couple. Espace ! Je suis Rikiko, le docteur de la danse. J'apporte le mouvement, j'apporte le rythme, j'apporte le sexe. Maintenant, on respire un grand coup et on danse! Marion ne devrait peut-être pas recommander Rikiko, docteur de la danse aussi chaude. Ouais, je suis pas sûr pour Riki. Bravo, vous vous êtes échauffé. J'ai eu votre SMS disant que vous reportiez le cours de 13h à 16h. Vous êtes là depuis longtemps? C'est pas vrai. Quoi? Liv. Accordez-nous une seconde. Mais qui ferait un truc pareil? Elle est devenue complètement cinglée. Et d'ailleurs, ça m'étonne pas, parce qu'elle a toujours été dingue. C'est vrai, et là, c'est au style de notre couple qu'elle s'attaque. Et là, je la laisserai pas s'en tirer comme ça. Bien. Tu sais qui me fait de la peine? C'est Daniel. Il n'arrive même pas à contrôler sa propre femme. Quoi? Mais non, ce que je veux dire, c'est Liv, parce qu'elle pense que... Je vais me changer. Quoi? Le dernier mois avant le grand jour est un test décisif pour les couples. Révélateur de la manière dont ils fonctionnent ensemble, résolvent les problèmes, communiquent. L'euphorie du début est passée et les nerfs ont tendance à prendre le dessus. Chez certains couples, cela fait ressortir les conflits fondamentaux dans leurs relations. Pour d'autres couples, les plus chanceux, cela met en valeur l'harmonie essentielle de leur association. Bien entendu, même les mariées les plus chanceuses ont besoin d'un petit quelque chose pour compenser. Ouh, pour moi, corbeille de douceur du matin. Il est pas fabuleux, mon Daniel. Soyez prudente. Merci. Miss Wang, montage vidéo. Je voudrais bien voir ça. S'il faut qu'il y ait des photos marrantes et en plus des passages filmés. Je sais, ce sera le clip le plus court de l'histoire. Comment faire pour me couper des films, puisque je suis tous les plans. Oh, ceci est arrivé pour vous par porteur. J'ai hâte de m'attaquer à ce truc-là. Monsieur Simon s'est encore appelé, il veut les nouvelles clauses du compromis. Rutherford Press? C'est ma ville natale. Je suppose que je dois leur dire que vous êtes en situation de crise. Oh mon Dieu! Ils publient encore les annonces des fiançailles. Je dois être une sorte de célébrité pour eux, ça va sûrement donner un truc genre... La fille du coin qui a réussi. Ils sont trop adorables. Oh, wow! C'est pas vous. C'est vous? Emma est ravissante. Mais pas à l'intérieur, ce qui est... Kevin. C'est tout ce qu'elle a trouvé, hein? Pitoyable. Elle avait de la perfidie. Elle va en avoir. Vous savez être perfide, je vous ai déjà vu l'être. Je fais du droit, moi, les mecs. Je commence à croire que 30 ans, c'est un palier. Mm-hmm. Parce que, au-delà de cette limite, les mecs veulent plus sortir avec des femmes de leur âge. Mm. Un mec de 30 ans sortira avec une fille de 30 ans, mais un mec de 35 veut une fille de 30. Et un mec de 40 veut une fille de 30 aussi. Mm. Ou de 28. Mm. Quelle horrible planète. Mm. T'as raison. Je me demandais. Quelle est la vraie raison qui pousse Emma et Fletcher à franchir le pas? Pourquoi ils peuvent pas changer leur date? J'en réfléchis. Elle est enceinte, Emma est enceinte! Oh non! Oh non! Liv? Tu t'es fait mal? Qu'est-ce qui t'arrive? Liv, ouvre-moi! J'ai pris 3 kilos. 3 kilos, autant dire 25. La robe ne va pas, et si la robe ne va pas, mon mariage va être un énorme trou noir dans l'histoire du Plaza. Bah, petit A, c'est notre mariage, chérie. Et petit B, c'est pas grave, on la retouchera. On ne retouche pas une Vera Wang pour toi. C'est toi qui te retouches pour une Vera Wang. Qu'est-ce qu'on vous apprend, l'école? Pardon? C'est pas la fin du monde. Je t'assure. Dis-moi ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux. Ce qu'il faut, c'est que t'arrêtes de faire. Tout ça, c'est ta faute. C'est gentil à toi de m'envoyer ces douceurs, mais... Quelle douceur? Tu sais, les douceurs, les truffélopolis. Les truffes assorties. La corbeille de douceur du matin. Le cercle des amateurs de beurre. Ah, chérie, je t'ai rien envoyé de tout ça. Oh,
bordel, Emma! Elle essaie de me rendre obèse pour que j'entre pas dans ma robe, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le cercle des amateurs de beurre? Tu veux dire que t'es vraiment allé déguster des morceaux de beurre de différentes origines? La dernière semaine avant le mariage, c'est marche ou crève. J'exige de mes mariés la perfection. Cheveux, peau, ongles, tout doit être parfait. Mademoiselle, il faut que j'accède à la réserve. Très vite. Très vite, vraiment, parce que j'ai oublié quelque chose hier. C'est extrêmement important. J'en ai rien à faire. Vous pouvez y aller. Mademoiselle Allen. Oh, bonjour. Bonjour, une pointe de miel aujourd'hui? C'est celui que j'ai chargé. Oui, mais juste un petit coup d'éclat prénuptial. Tout à fait bien, merci. I wish you well. I touche de miel. Orange sanguine. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va. On dirait un cône de signalisation. Ça va s'effacer? Un peu, j'en suis à mon troisième gommage. Et j'ai... C'est moche à ce point. Fletch, il a dit qu'il trouvait pas ça si moche. Oh, chérie, Fletch est ton fiancé. Il trouve sûrement aussi que ta coiffure est sympa. Organiser un mariage, c'est pas une promenade de santé. Je te crois. Je suis très étonnée, je t'assure. Ce qui m'étonne, c'est de pas m'être retrouvée dans le cabinet de mon psy, tu vois, avec tout ça. Parce qu'on m'a dit, c'est trop l'enfer. Si tu m'avais entendu l'autre jour au téléphone avec celui qui a massacré mes centres de table, oh, je me faisais peur à moi-même. Oh, c'est oui. Un détail qui entraîne un détail, oui, qui entraîne oui. Un autre. Ça fait beaucoup de mal. Dis donc, ce serait bien un petit peu moins clair. Oui, surtout, devant, garde la suite en tête, je vais chercher ta couleur. Ouais, mais ce que je veux surtout, c'est que ce soit. Que la base soit bien dorée. I'm gonna rain on your parade. Je devrais peut-être me mettre au chant. Je crois que ce serait peut-être bien à ce stade de ma vie. Oh merde! Oh merde! T'es content? Oh chouette! J'ai le temps de ne rien faire. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Il faut les laisser tranquilles un jour ou deux. Je pourrais peut-être les rattraper en blanc. Mes cheveux sont bleus! Ils sont bleus! Mes cheveux sont bleus! Je me marie dans une semaine! Félicitations. Une semaine! Une semaine! Je suis sûre que t'es là. Je sais que t'es là. Le voilà, ton montage vidéo. Oh oui. Et comment? Fletch? La puce, il y aurait pas quelque chose dont tu voudrais me parler? Est-ce qu'on va avoir un bébé orange? Parce qu'apparemment, on a déposé une liste chez Baby Zaros. C'est chouette, ça. Marissa? Où t'es? J'ai du mal à t'entendre. J'en reviens pas, tu le dis à Emma. Ça change quoi? Hé, hey, les filles, vous attachez pas trop aux danseurs. Ils sont payés pour être câlins. Ouais! Attention, attention, un petit oiseau vient de me dire qu'on avait une future mariée parmi nous ce soir. Mais c'est une mariée qui s'est très mal conduite. L'agent Grosse Matraque est là pour vous arrêter. Allez, laisse-toi. Debout, madame. Allez, Lily, faut y aller. Tu es en état d'arrestation pour conduite trop sexy. Mets-toi là, ma belle. C'est l'heure de la fouille. Ici ce soir. Emma, c'est privé, c'est que sur invitation. Je vais me marier aussi, ma poule. Eh bien moi, je t'invite. DJ Jason invite la mariée numéro 2 sur scène.
Pourquoi pas? Grimpe là-dessus, ma belle! On veut voir comment tu bouges! Ouais, ça, c'est du sérieux! Bouge-toi, ma grande! Tu me laisses même pas mon propre enterrement de vie de jeune fille! Tu m'as pas laissé non plus avoir DJ Humble! C'était un coup bas, Liv! Et puis, vous savez quoi, que je vous dise? Je suis pas enceinte, pigé? Je dis que c'est le moment de danser! 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 Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Bravo. Attention, la plus sexy des mariées aura le premier prix. Allons-y. On va mettre le feu. Pas toujours gagner, ma fille. Ça fait bizarre. Perdre? Je peux pas dire que j'aime ça. Non, vous étiez super toutes les deux. Je t'assure. Attendez, tu t'es pas dégonflé. On s'en tape. C'est mon enterrement de vie de jeune fille, non? Ouais. Bravo. Tiens. Toi, tu lis dans mes pensées. Oh merde! Taxi! Taxi! Hé! Kevin! Kevin! Il me faut du café! Pardon, pardon! Il me faut du café! Il me faut 3 Advil! Oui, 4 bouteilles d'eau! Et une bonne giclée de vodka qui est derrière un des volumes du code pénal! Salut Elena! Bonjour. Tu travailles trop, je vais t'inviter à déjeuner! T'es où, Kevin? Je suis là, je vous ai. Liv, Liv! Est-ce qu'on est loin de. Advil! Oui, vos cheveux! Advil. Vos cheveux sont bleus! Ah! Oublié. Je devais retourner vers une couleur à cette heure. C'est-à-dire que c'est très... Ça va être... Ils vont adorer. Je m'en charge. Je vais trouver. On n'a qu'à tous se référer au dossier que j'ai rédigé. J'ai souligné quelques points importants. La communication des pièces, des dépositions et des documents requis, partagez-vous celui-là, nous a conduit au résultat escompté, à savoir... Une minute. Attendez, j'ai devant moi un dossier daté d'il y a 2 semaines. Où est la nouvelle version? J'ai juré que je les avais mis à jour. Une seconde. Trucs. Vos cheveux? Oui, mes cheveux! Mes cheveux sont bleus, ouais! Mes cheveux sont bleus, je me marie dans une semaine et je paie ma demoiselle d'honneur. Voilà, c'est Monsieur Colson qui le paie d'ailleurs. Et oui, j'ai peut-être perdu le dossier. Et oui, peut-être que la meilleure amie que j'ai au monde depuis toujours me hait! Elle me hait! C'est elle qui va nous représenter, vous êtes sûr? Plus maintenant. Mademoiselle Lerner est dessaisie. Je reprends l'affaire. Non, attendez, calmez-vous. Je vais refaire une couleur. Mademoiselle Lerner, veuillez nous laisser. C'est pas moi, cette fille. Je ne merde pas. On ne me dessaisit pas. Oh, c'est comme si j'avais plus personne, je me sens seule. Hey. Mon bébé, je suis là. Ton amie te manque. Surtout en ce moment. Elle trouvera les mots.
contre elle. Elle s'est attaquée aux cheveux. Les copines font jamais ça. Tu vas arranger ça. Et si tu peux pas, j'adore. Je t'assure, tu ressembles à une grande et très sexy schtroumpfette. Je sais. Chérie. C'est pas seulement les cheveux. Je lui en veux parce que c'est peut-être elle qui a raison. C'est épuisant de passer sa vie à être parfaite tout le temps. C'est comme ça que j'arrive à tenir. Depuis que je suis petite, je me suis dit que rien d'affreux ne pouvait arriver si j'avais toujours une longueur d'avance sur tout et sur tout le monde, constamment. La vie n'est pas parfaite, chérie. C'est bordélique. Tu as raison. Tu sais, je voulais être parfaite pour toi, mais comme tu dis que c'est impossible, bah alors... Oh, Ellie. Non, t'as pas à être parfaite. J'ai toujours voulu une épouse humaine. Mais les autres sont vraiment... trop difficiles à gonfler. Presque revenu à la normale. Oui, c'est vrai. Évidemment, j'ai plus qu'une couche de peau, mais ça devrait être bon pour le mariage, alors... Oups, désolée, Liv. Ah, si seulement j'avais des photos. Tu sais, quand je pense que je suis montée sur scène et qu'il y avait ce projecteur et quand j'ai attrapé cette corde au vol, tu peux pas savoir... Ça va, ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est la millième fois que tu me le racontes, Emma. Tu fais n'importe quoi ces temps-ci, tu le sais? Et je commence à en avoir ma claque. Ces jours-ci, t'es tout le temps... furax et tendu et surexcité et... Bah moi, je peux pas vivre comme ça. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai, franchement, je me pose des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec le mariage ou est-ce que ça va être permanent? Fletcher, ça risque d'être permanent, oui, parce qu'il est très possible que je sois à nouveau furax ou tendu ou surexcité plusieurs fois ces 40 prochaines années. Vraiment? Eh ben, tu veux que je te le dise? Tu l'es, là. Quoi? Tu te comportes, je dirais pas en emmerdeuse, mais... Non, j'ai dit pas en emmerdeuse, mais t'en es vraiment pas loin. Tu devrais demander au chauffeur de faire demi-tour et de te déposer au coin des rues mignonnes et gentilles, là où on s'est connus. Attends, Fletcher, est-ce que t'es en colère à cause du truc avec Liv ou parce que j'exprime mes sentiments? C'est difficile à savoir avec toi. Oh, bon Dieu, c'est tout à fait ça, je suis en colère parce que t'exprimes tes sentiments, t'as tout pigé. Bon, alors autrement dit, n'exprime pas de sentiments, mais si t'en exprimes, pas trop fort. C'est clair, oui. Non, oh, mais c'est pas vrai, je peux même plus te parler, quoi? Alors. Mais t'as même pas essayé, tu t'en rends compte? Non, est-ce que c'est tu sais que à quel point c'est dur pour moi? Je te reconnais même plus. Je m'as même pas demandé comment je me sens, je suis totalement perdue. Je sais même plus qui t'es. Ok? Je veux pas te parler. Waouh. On est tendu, ça va s'arranger. Bref, je vais à la gym. Bye. De crise pour le moment. Je peux vous rappeler? Bien, c'est... Oui, c'est très clair. Bye. Hey! Je vous demande pardon, qui est-ce? Allô?
Salut. Comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Je sais, c'est ma faute, j'ai été débordée. Ah oui, c'est ça, débordée. Aucun rapport avec le fait que je suis le frère de ton ennemi juré. Je veux dire, ta meilleure amie. Hé, faut que je loue un smoking. Tu viens avec moi. Allez, viens. D'accord. Je suis un peu étonnée. Je pensais qu'un grand journaliste avait son propre smoking. Comment tu vas, Emma? Comment tu te sens? Pas mal. Pas mal, c'est pas une réponse. Ben si, si. Je me sens bien, je me sens pas trop mal, quoi. Ouais, ouais, si tu le dis. D'accord, en fait... Tout est dingue avec le mariage et... Il y a tous ces détails et... Je sais pas, j'avais une idée de ce que ça devait donner dans ma tête. Et c'est pas aussi marrant que ça. Et je sais pas pourquoi. À part ça, je vais bien. Ton nœud papillon, je peux pas le laisser comme ça. Oui. On peut pas se rendre compte sans nœud papa. J'en voulais un avec un élastique parce que je sais pas les faire. Tu n'as aucune patience. Ah, tu crois? Je crois que je suis du genre à attendre trop longtemps. Et si je te ferais un café? Oh, là, je peux pas, je suis en retard pour... Mais je t'appellerai. Quand je serai moins... T'as l'air très... Tu vas faire un très séduisant... accompagnateur de mariée. Merci. Et Emma, tu vas vraiment faire une très belle mariée. Oui? Oui, je le pense depuis toujours. Merci. Au revoir. Au revoir. Malgré tout, quand le matin se leva sur ce 6 juin, c'était une journée parfaite pour un mariage. Enfin, deux mariages. H-3, tout le monde. Alors chacun son camp, exécutez vos tâches et on arrivera peut-être à s'en sortir vivant. Arrivée des troupes. Les roses pour Lerner, les pivoines pour Allen. Leur pasteur a-t-il déjà rallié son poste? Oui, il est là. L'âge de table Lerner? C'est prêt. Excellent. Accélérons le mouvement, tout le monde. Ce n'est pas une répétition générale. Fabuleux. On ne voit plus du tout bleu. Oh, Liv! Mon Dieu, vous êtes la plus ravissante mariée que j'ai jamais vue. Merci. Oh, excusez-moi un instant. Elle est bizarre. Oh là là, je suis si anxieuse, je sais pas pourquoi. Le voile est censé être accroché comme ça? Oui. Pourquoi? Oh non, non, c'est très bien. Tu sais, franchement, la pression qu'on met sur les mariées aujourd'hui pour qu'elles soient parfaites, c'est d'un ridicule. T'es pas obligée d'être la plus belle possible le jour de ton mariage. Pigé, tout le monde. Maman. Tu sais, si tu veux mon avis, je... Non, Deb, je veux pas de ton avis. Quoi? Deb, j'ai eu affaire à des gens dans ton genre toute ma vie, et je vais te dire une chose que j'aurais dû me dire il y a bien longtemps déjà. Parfois, l'important, c'est moi, d'accord? Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, c'est moi qui compte, comme aujourd'hui. Alors si t'es pas d'accord avec ça, tu peux t'en aller. Mais si tu restes, tu dois faire ton boulot. Et ça veut dire me sourire et dire à quel point je suis belle en mariée. Et plus important que tout, ne pas me parler de toi, d'accord? Tu peux faire ça? Ah, je vais essayer. Alors tout va bien? Le harpiste, c'est Allen. Le quartet, c'est Lerner. Combien de fois faudra-t-il que je me répète? Localisez les futurs époux et gagnez vos postes de combat. Ah, très bien, oh, oui. Je vous demandais juste ça comme ça. Si t'as l'intention de déserter l'un des mariages, dis-le nous qu'on puisse faire diversion. Non, je vais aller à la cérémonie de Liv et à la réception d'Emma. Ça picolera plus. Je compte rapidement tous les célibataires sexy et bourrés et je choisis ensuite. Ouais, t'as raison. Allen. Oui. Lerner. Oh,
Monsieur Allen, comment allez-vous? Bien, je vais bien, mon garçon, et toi? Grand jour, hein? Oui, tu l'as dit. J'ai eu l'occasion d'entrevoir Emma tout à l'heure, quand je suis allé espionner le camp ennemi. Elle est très belle, monsieur. Merci, Nate. Et, dis-moi, tu crois que je pourrais dire un mot à ta sœur? Pas au sujet de la bagarre, au sujet de quelque chose d'autre. Oh, oui, bien sûr. Bonjour, messieurs. Liv. Hé! Monsieur Allen! Liv. Ah, ton père et ta mère seraient tellement fiers. Merci. Fiers de vous deux. Oh. Merci. Ah, je voulais juste transmettre la bénédiction de notre génération. Pas seulement de ma part, mais de celle de mes chers amis qui auraient tout donné pour être là aujourd'hui. Bonne chance, ma chérie. Nate, merci, ça m'a fait plaisir. C'est très gentil. Je t'en prie. C'est quelqu'un de bien. Emma est comme lui. Alors, d'après mademoiselle Sinclair, vous avez droit à une petite gorgée avant le mariage pour vous calmer les nerfs. Alors, on a du whisky. Ouais, le whisky, c'est bien. Bon, on a de la vodka et de la tequila. 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 Kevin. Tequila. C'est vulgaire, la tequila. Non. Kevin, Kevin. Mais vous n'aimez même pas la tequila. Donne ça à Marion. Tu lui dis que j'ai échangé les DVD. Il faut qu'elle mette celui-là quand Emma avance vers l'hôtel. Fonce. Je croyais qu'on était au-dessus de ce genre de choses. Exactement, oui, c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses tout de suite. Fonce, 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 fonce. Allez. Elle me remerciera un jour. Je vais voir qui c'est. Ça m'aide beaucoup. Super. Je te remercie. Oh la vache, c'est tes parents. Entrez. Regardez, c'est pas une belle mariée. En effet. Oh mon Dieu. Oh waouh, maman. Mais c'est ma robe. Ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir si ça te fait plaisir, mon cœur. Tu pourrais te marier dans un sac poubelle si c'est ce que tu souhaites. C'est ton jour à toi. Oh, mince, il me faut un mouchoir. Oh, ça y est, je vais pleurer. Vous allez foutre en l'air votre maquillage, ma chère. J'ai trouvé ça quand on a déménagé à Boca, et je te l'ai gardé. J'ai... Qu'est-ce que c'est? Je savais qu'un jour, je te le donnerais. Vas-y. Ouvre-le. Si tu avais besoin de quelque chose d'ancien ou de bleu. En fait, c'est à Liv. Alors quelque chose d'emprunté, hein? Papa, il faut que je la voie. Je crois qu'elle ressent la même chose. Je vais voir qui c'est. Oh, oh, c'est Marion. Tout le monde en place, c'est à nous dans 2 minutes. Marion, je peux faire un saut de l'autre côté du couloir? Emma, vous êtes la plus ravissante mariée que j'ai jamais vue. Prête? Mariée 1 en marche. Mariée 1 en marche. J'y vais. Between the trees and fed my house gas sparking leaves and laughed in my pretty bed of green. I had a dream that I could fly from the highest swing. I had a dream. Je me marie. Oui, tu es heureuse.
Dès que j'ai confirmation visuelle de la mariée 1 en marche, top vidéo après compte à rebours de 5. Et... prêt... marche. Je répète, on a été touché. Tu viens de gâcher notre mariage, t'es contente? Alors ta copine, tu l'oublies, parce qu'elle a une mauvaise influence sur toi, elle en a toujours eu une. Et si j'en croise DVD, tu lui ressembles plus que je le pensais. Tant mieux, j'espère bien. Quoi? Fletcher, tu es mon ami depuis 10 ans. J'ai besoin que tu sois mon ami maintenant et que tu me dises la vérité. Tu es amoureux de la fille que tu as rencontrée il y a 10 ans. Ouais, je vois pas où est le problème. Seulement, elle existe. Je veux pas passer le restant de ma vie à me battre, Fletch. On s'étiole. Et c'est pas ce que tu veux non plus. On est différents. On veut des choses différentes. Tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas? C'est ma faute. Cette vidéo n'aurait jamais dû passer. Enfin, elle aurait dû passer, mais je l'avais annulée. Je croyais l'avoir fait parce que je n'aurais jamais fait ça. Mais... Emma, t'es ma meilleure. Mais oui. Oh, cette brouille est si débile. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon aussi.
voulu tout gâcher pour toi, je ne veux plus le faire. Si Fletcher et moi étions vraiment faits l'un pour l'autre, alors... Alors... On se serait mariés et on l'a pas fait. Tu pleures? Oui, c'est la toute nouvelle moi. Et je suis... Je pleure tout le temps. Je suis plus bonne à rien. Non, Liv, j'ai pas voulu ça, je te demande pardon. Non, non, t'avais raison. Je suis pas obligée d'être un modèle d'équilibre 24 heures sur 24. C'est comme si... on m'avait sorti du sommeil. Je me cogne un peu partout quand je marche, mais... Je suis réveillée. Est-ce que tu viendrais avec moi? Où voudrais-tu que j'aille? On reprend, tout le monde. On reprend. Oh, j'ai bien failli oublier quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Emma, où est-ce que t'as trouvé ça? Deux petites filles nous l'avaient gardé. On y va. Oui. Hétéro? Non, j'aime pas les étiquettes. Désolée, j'ai appris ton divorce. T'inquiète, c'était mon premier. En tout cas, la prochaine fois, je peux te dire que je me marie au Plaza. Tu veux danser? Oui. Allons-y. D'accord. Non, bébé, laisse les choses se faire toutes seules. Oh. Aurais-je fait une énorme erreur en épousant quelqu'un de plus intelligent que moi? Oui. Ce fut un mariage fabuleux. Et tandis que je les regardais, je me suis souvenue d'une chose que j'avais oubliée depuis longtemps. Parfois dans la vie, il existe réellement des liens entre les gens qui ne peuvent être brisés. Et parfois, on trouve réellement cette personne unique qui restera à vos côtés, quoi qu'il arrive. On peut la trouver dans le mariage et fêter cela comme on le rêve depuis toujours. Mais il arrive aussi que la seule personne sur laquelle on puisse compter toute sa vie, la personne qui vous connaît parfois mieux que vous-même, soit la personne qui est présente à vos côtés depuis toujours. Oui, merci. Waouh! Oh, c'est superbe! Oh, c'est toi qui es superbe. Alors, comment c'était? Comment c'était ces vacances? C'était fabuleux. Je veux absolument tout savoir. En fait, non, je veux rien savoir. Tu as épousé mon frère et c'est déjà assez bizarre. Je ne veux rien savoir du tout, jamais. On porte un toast au mariage? En fait, je bois pas. Moi non plus. Tu es enceinte? Pourquoi? Moi aussi, le 3 mars. Toi, c'est pour quand? Le 3 mars.